serait important que le mouvement ATD Quart-Monde, mais comme d'autres associations, soit présent dans des lieux de débat politique pour vraiment défendre la question des plus pauvres. J'entends bien quand on dit oui, les politiques par exemple de gauche veulent dans leur général lutter contre la pauvreté. Ce que je pense, c'est que quand on parle de lutte contre la pauvreté, il faut des politiques très spécifiques pour réussir à ce que les plus pauvres sortent de cette situation. Donc si je viens à ce genre de rencontre des lundis de la gauche, c'est pour défendre cette idée-là de qu'est-ce qu'il faut faire en termes de lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle ça me paraissait important d'être là ce soir. On est assez inquiet, le mouvement ATD Quart-Monde, sur les débats qui vont avoir lieu dans le cadre des prochaines élections et de la présidentielle. On a un peu peur, et c'est déjà ce qui se passe souvent dans les débats, que les plus pauvres et les réfugiés soient un peu les boucs émissaires dans cette histoire, montrés du doigt comme étant des assistés, des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Alors que ce qu'on voit nous au quotidien, c'est que les gens ont envie de s'en sortir, ont envie de travailler, mais il n'y a pas de travail pour eux. Il y a des conditions de vie qui sont indécentes en termes de logement, en termes d'échecs scolaires pour les enfants. Donc nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est un regard différent sur les pauvres et la pauvreté. Et ce qu'on sent plutôt en ce moment, c'est au contraire que les plus pauvres sont un peu les boucs émissaires dans tous ces débats. Et c'est notre inquiétude, et c'est bien pour ça que j'étais là aujourd'hui sur ces lundis de la gauche, c'est essayer de défendre autre chose.